Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Akai et on se retrouve pour un nouvel épisode de Trustplay sur E4 avec la Grande Horde. Bon bah je me suis dit c'est bon, on peut-être le moment d'y aller. Vas-y, pas juste se prendre une petite branlée en plus le Teutonique. J'aurais des points à s'occuper là. Que Ezo sont de guerre là. Odouyef, on va leur demander. Nous n'avons pas besoin de votre aide, mes chers amis. On va regarder le principe positif. Ouf. Eh ben on va y aller. Hop. Coucou. Elle est tonique. Eh, Moscou, faut jouer un truc, regarde. Tu vas kiffer. Alors là, non, la Suède, non, ça va le faire. Faites chier les Suédois. On va à Novgorod, nous, vous allez rire. On va faire les salauds. Maintenant qu'ils se foutent tous à la gueule, hein. On va y aller tranquillos. Oui, je suis une ordure. Et oui, j'assume. Mourom est tombé, donc on va taper ici. On va laisser tomber, hein, ce petit régiment-là. On va le laisser se popper ici tranquillement. La Lettonie veut s'engager contre qui? Bien sûr! Qui veut l'axe militaire? Bah tout le monde, vous faites l'axe militaire comme vous voulez les gars! Oui, c'est répugnant, je sais, j'ai attaqué dans le dos. C'est moche. Chéliba est tombé sous la Moscovie. Ah putain, y'a que ça à foutre le mec, d'aller à Chéliba. Regarde, moi j'ai pris la tire. Gloire à nous! 22 000 hommes là-haut à Bello Zéro, on va se casser. On va essayer de un petit peu ce qu'il y a par ici, hein. Plus de morale d'armée, ça me plaît ça. Ça me plaît ça de pouvoir tabasser des gens. On va juste prendre des princes par ici, histoire de les pourrir à mort. Hein. Alors eux ils se baladent, je sais pas pourquoi, au-delà de l'Oural, en Sibérie pourrie et paumée. Hein. Novgorod, enfin Nizhny Novgorod est tombé. On va aller à Galich. Puis après à Viatka, qui est sa capitale actuelle. Ah, et puis j'ai pris Moscou. Alors lui, je sais pas ce qu'il fout là-haut. Zlatous qui est tombé. Bah, s'ils veulent. Sauf que j'ai pas envie de les laisser crever à 1000 hommes pour rien en les laissant se faire stack wiper. Glazov est tombé. Je vais essayer d'éviter la bande là. Et j'ai pillé là-haut. Parce que la Nénès, c'est la Sibérie, c'est pas. C'est les territoires qui sont non traversables. Galich est déjà tombé. Putain, la honte. Et Danemark, il veut quoi en fait? Il fait une guerre pourquoi? Conquête de Pskov!
Tôt ou tard, il faudra qu'un jour j'affronte le Danemark. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que le Danemark a déjà pris Novgorod en plus? Looting. Looting. Plus de loot! D'où qu'ils sortent ces cons-là? Ah, c'est tout joué à cause de ça, merde, fais chier, j'aurais dû faire gaffe. Je vais se dire, demande à ces connards. Et vu qu'ils veulent plus de provinces, on va leur dire, hop, je vous ai donné une. Vous voulez un estate? Une province, où est-ce que vous voulez? Où est-ce que je peux vous la coller, moi, cette connerie-là? Il faut que ce soit 35, ces trucs de cul. Hors des questions de la filer en Crimée, c'est sûr, déjà. Le Théodoro, non, je vais les remettre. Ici, voilà. Hein. Donc, ça, dans 2 mois, ils seront contents. Les Bashkiria, je m'en charge immédiatement. Ah, ils me prennent trop la tête. Putain, personne ne veut travailler. Oh, je perds de la thune. C'est pas du tout ce que j'avais besoin. Hein. Ils ont quoi d'hommes? Moins que moi maintenant. Donc là où ça tombe, faut après que j'écrase l'armée là et puis que je sécurise l'est ici pour plus qu'ils me repondent de petites troupes à la con là. Il y en avait aussi qui s'est séparé ici, oui. Ou bien, de deux quais à rivière. Que je peux looter des trucs ici? Oui, bah, je continue de looter. Gain de prestige. Allez, révolte les shit. On va les gagner tout de suite. Il est toujours pas passé cette connerie là. Nouvelle idée pour le Saint-Empire romain germanique. Je prends la capitale de Moscou, hein, ici. Là, la petite armée que je extermine ici, ça va pas être très très difficile. Et moi, je vais me replacer vers l'ouest. Et je vais continuer à piller tranquillement pépère. Moi, en mode, je suis un salopard. Et j'en suis fier. Je pille, hein, pour gagner de la haute unité. Hein. Mourom est tombé par des paysans. Putain, il y a des paysans qui sont soulevés. Oh, mais la honte! Donc, non plus, je ne peux pas me permettre d'avoir non plus des paysans qui viennent me popper et me casser les pieds ici.
Alors. La corruption, ça me fait baisser le coût des. Oh la merde! D'accord, j'ai découvert un truc. J'ai totalement la corruption, ça fait baisser. Oh, c'est la loose totale, ça. C'est quoi faire? On va pas trop faire le Moscovite, parce que j'ai pas envie non plus que le Danemark devienne une super puissance qui me cassera les pieds. Là, c'est parti de quoi? Je crois que c'est les Ukrainiens. Je vais prendre la province là, histoire de pouvoir remonter le score de guerre. Non, Chernigov. Oui. On va se prendre tout ça. Pourquoi parce que j'ai envie non plus que si que eux là ils aillent foutre la merde chez les princes de l'autre trou du cul. Que je veux pas saquer là le. D'ailleurs, Odoïev, ça va être très simple, ça va être. Je te confie la province qui s'appelle ici que je viens de prendre, qui s'appelle Colm. Quant à moi, je vais juste scorer le reste. Un thème de l'explosion de rebelles, alors les chiites. C'est quoi ce camp là? En mai 1512, dans 3 ans. Bon. C'est où ça risque de péter des Dagestans? J'ai une autonomie ce con. Ah, ils sont chiants ces grouillots là. Mourant, mais à la tire. Novgorod, là par contre, c'est qui? Ce sont des. Ah, c'est Nijni Novgorod qui pourrait repoper ici. Mais par contre, la forteresse, c'était gentil, mais. Je vais la détruire. Hein. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais. Au dé faire la naissance, c'est très très bien.
Je vais faire à la fois prendre ceci. Et après surtout les prêts. Voilà, on a bu un petit peu le coup là. On va se calmer un peu là. Dis, en fait, pour toi, Gênes, ça se passe comment la guerre de ton côté? Que je regarde un petit peu, hein. Ah, t'es dans la merde! Si je fais la guerre, l'Autriche vient. L'Autriche devra du pognon par contre. Et Noguès, c'est quand la fin de la trousse avec toi en 412. Tu sais quoi, Gênes, je vais mettre mes troupes près de chez toi, tu vas voir. Ne sois surtout pas menacé, hein. Je voudrais pas que tu sois mal à l'aise. C'est juste par précaution. Si jamais je vois que l'Autriche te lâche. Malade comme un chien aujourd'hui. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils foutent les moscovites? La Pologne qui veut reprendre Kulm. La Pologne qui est dans la mouise absolue. Ah bah oui, la tectonique, c'est logique. Mais honnêtement, Moscou là, laisse tomber, occupe-toi d'abord de Danemark. Des paysans qui vont le déboîter en plus. Vite que l'extension diminue. Hein. Novembre 412. Oh, merde. Les shit. J'aurais dû regarder un petit peu avant quand même. Donc là j'ai pas tellement envie d'y aller, je sais, j'hésite hein. L'Autriche, une question. Elle passe par où? Un axe militaire à travers la Hongrie. La Pologne n'aime pas du tout la Hongrie. Mais est-ce que la Pologne ne ferait pas, laisserait pas l'axe militaire à la... Le truc pour me faire chier. Je sais pas. Vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'espère que l'épisode là vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!